400 élèves de 9 collèges réunis aujourd'hui dans la grande arène de l'ESC dans le cadre de l'opération Bravo l'entreprise. L'initiative est portée par l'UIMM en partenariat avec l'inspection académique. Les 200 jeunes au bois ont présenté les entreprises qu'ils ont visitées cette année. Ils ont pu ainsi découvrir le monde du travail et la diversité des métiers de l'industrie, que ce soit en métallurgie, en plasturgie, dans le textile ou encore dans l'agroalimentaire. Le but de l'opération est de les attirer vers ces formations. Yannick Lecor est inspecteur d'orientation. Gérard Maubray est lui président de l'UIMM. Ils sont au micro de Martial Roche. Je crois que nous avons besoin des branches professionnelles pour à la fois guider, éclairer les choix d'orientation des jeunes, de collège et de lycée, à travers notamment une meilleure connaissance du monde professionnel dans lequel ils auront à s'insérer, à travers aussi un besoin de rectifier les représentations, qui sont un peu des filtres qui guident aussi souvent les choix de formation et de métier. Et je crois qu'on ne peut pas le faire sans une véritable immersion. Nous avons besoin de jeunes compétents. L'industrie recrute, contrairement à l'industrie, bien sûr, se restructure, mais l'industrie recrute de toute façon. Dans l'entreprise aujourd'hui, face à la compétitivité mondiale, il faut des gens très, très qualifiés. Donc, assis sur un cursus scolaire important, responsable.